Bonjour et soyez les bienvenus dans les coulisses de la science. Elle s'appelle Amborella trichopoda, elle a révolutionné l'histoire des plantes et elle pourrait bien nous aider à surmonter les changements climatiques à venir. Pas étonnant donc que cet arbuste endémique à notre territoire intéresse autant nos scientifiques. Qu'ont-ils découvert depuis qu'ils étudient? À quoi vont servir leurs travaux de recherche? Tout sur l'ancêtre des plantes à fleurs, c'est tout de suite sur NCTV. Comme vous le savez déjà, la couleur verte des plantes leur vient d'un pigment appelé chlorophylle. Mais on oublie trop souvent le rôle important de nos chères plantes sur Terre. Sans plantes, pas de nourriture pour les herbivores, pas de nourriture pour les carnivores et surtout, pas de nourriture non plus pour nous, les êtres humains. Sans plantes, pas non plus d'oxygène et donc nous ne pourrions survivre. Je vous propose donc un petit voyage dans le temps qui va vous permettre de comprendre comment les plantes ont conquis la Terre. On sait qu'il y a eu à l'origine de la vie des molécules, des petites molécules donc contenant du carbone et de l'hydrogène, qui existaient à la fois dans l'atmosphère, dans les météorites. Il y avait énormément de météorites qui arrivaient sur Terre et qui se dissolvaient dans l'eau. Et donc tout cela a créé ce qu'on appelle la soupe primitive, qui est un ensemble de petites molécules dissoutes dans l'eau. Il y a à peu près de cela un peu moins de 4 milliards d'années. Et à ce moment-là, donc, il y a eu pas mal de réactions qui se sont produites dans l'eau, qui ont produit des molécules de plus en plus grosses, ce qu'on appelle des macromolécules, qui sont par exemple les protéines, l'ADN. Et enfin, ces macromolécules se sont rassemblées pour produire les premières petites cellules, en quelque sorte, originelles. Et c'est un peu plus tard que sont apparues donc, les cyanobactéries, qui sont assez simples par rapport à nos cellules à nous, par exemple. Et donc, ces cyanobactéries, ce qu'elles ont de plus par rapport aux premières bactéries, c'est qu'elles ont de la chlorophylle. Donc, cette chlorophylle, c'est une innovation extrêmement importante parce que c'est ce qui a permis de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser l'énergie de la lumière, du soleil, plus d'utiliser le CO2 de l'air, le dioxyde de carbone de l'air, et de fabriquer de cette façon-là les molécules dont la plante a besoin, les sucres, les lipides, les protéines, etc. Et ceci est très important parce que cette production-là est à la base de toute la vie. C'est la matière que produisent les plantes, c'est ça qui permet ensuite à tous les autres êtres vivants de se développer, notamment les animaux, les humains, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est que les cyanobactéries sont à l'origine de l'oxygène de l'atmosphère. Cet oxygène a permis justement aux autres êtres vivants qui nécessitent de l'oxygène pour se développer d'apparaître. Et ça, c'est effectivement extrêmement important pour l'apparition des animaux et de l'homme notamment. La lignée des plantes est apparue à la suite d'une symbiose. Ce qu'on appelle une symbiose, c'est une symbiose mutualiste, c'est un partenariat entre deux espèces où chacun tire profit. D'abord, elles étaient donc microscopiques, unicellulaires. Elles se sont ensuite rassemblées pour former, elles vivaient dans l'eau, hein, pour former des algues un peu plus grandes. Et petit à petit, les algues ont grandi. À un moment donné, il y a environ 500 millions d'années, les algues ont commencé à s'adapter au milieu terrestre. Et cette adaptation au milieu terrestre, elle a produit le groupe des mousses. Donc les mousses, c'est quoi? C'est des toutes petites plantes, comme on le voit ici. Ça, c'est des mousses qui se développent sur un tronc d'arbre. Ce qui diffère donc au niveau des algues, c'est que les algues se sont adaptées au milieu terrestre. Et pour s'adapter au milieu terrestre, elles ont en particulier formé des petits rhizoïdes, c'est-à-dire des racines microscopiques, qui leur permettent donc de rentrer un petit peu dans le substrat dans lequel elles se développent et de récupérer les éléments nutritifs et l'eau pour se nourrir. La droite et la gauche, ici d'ailleurs, on voit beaucoup de fougères, des fougères de petite taille, des fougères de taille moyenne ici, et puis des fougères arborescentes.
qui sont un peu mythiques parce que ces fougères arborescentes existaient déjà au temps des dinosaures et constituaient l'essentiel des forêts du temps des dinosaures. Ces fougères-là, ce qu'elles ont de plus très important, c'est l'apparition des vaisseaux conducteurs qui permettent donc de conduire l'eau et les sels minéraux vers le haut. Ceci leur permet justement de devenir beaucoup plus grandes. Et en particulier aussi pour grandir de cette façon-là, il leur a fallu avoir ce qu'on appelle du bois, c'est-à-dire un composant formé de lignine qui a permis aux plantes de durcir leurs tiges, d'avoir des tiges plus dures et donc de grandir en hauteur et même des fougères arborescentes qui ont constitué les premières forêts qui sont apparues sur Terre en fait. Une autre particularité de ces fougères, c'est que sur le plan de la reproduction, elles ont des sporanges qui se trouvent sous les feuilles. Ces sporanges-là, à maturité, vont se scinder et libérer les spores qui vont aller germer sur Terre et redonner d'autres fougères. Alors après les fougères, on voit apparaître donc les conifères en particulier, donc le groupe des gymnospermes dont les conifères font partie. Les conifères sont pour la plupart des grands arbres et ce sont des grands arbres essentiellement parce qu'ils ont créé quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle le bois secondaire qui est un bois très dur. Ce bois très dur va permettre donc aux conifères de donner des très grands arbres puisque certains conifères peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de haut. Mais il y a un autre caractère extrêmement important qui va apparaître avec les conifères, c'est la graine. La graine, c'est donc un organe qui est destiné à protéger et nourrir l'embryon. C'est quelque chose qui est similaire à ce qu'on voit chez les mammifères, qui, comme ces arbres-là, vont protéger et nourrir l'embryon dans le ventre de la mère. Et bien donc, les conifères également nourrissent et protègent leur embryon et ne le lâche dans la nature qu'une fois qu'il est prêt à se développer. Et donc la graine va bien sûr germer et redonner le nouvel arbre. Une autre particularité des gymnospermes, des conifères en particulier, c'est la production des cônes, qui sont des organes reproducteurs bien visibles. Donc les organes reproducteurs deviennent visibles chez les conifères et également chez les plantes à fleurs. Alors, avec les angiospermes, vont en fait apparaître deux choses nouvelles très importantes. D'abord, vous avez donc le fruit, ce qu'on appelle le fruit au sens botanique. C'est le fait que les graines qui apparaissent donc chez les conifères vont se recouvrir avec une chair particulière. Et cette chair, elle va servir en fait à être mangée par les animaux. Pourquoi est-ce que les plantes font manger leurs fruits par les animaux? Eh bien, c'est pour justement se faire transporter leurs graines par ces animaux, puisque les graines vont rester vivantes à l'intérieur du tube digestif des animaux et vont être déjectées vers l'extérieur, ce qui leur permet aux plantes de se faire transporter vers d'autres lieux afin de coloniser donc d'autres lieux. Ça, c'est le sens évolutif du fruit. La deuxième chose qui apparaît chez les angiospermes, ce sont les fleurs. Donc la fleur, c'est quoi? C'est un appareil attractif, c'est-à-dire c'est destiné à attirer les insectes et les oiseaux pour qu'ils viennent sur la fleur. Ils prennent par exemple du nectar, ils sont attirés par les odeurs et les couleurs de la fleur et ils vont se prendre du pollen et en allant sur d'autres fleurs, ils vont déposer les pollens, donc ce qui permet la pollinisation croisée au niveau de ces angiospermes. Cette pollinisation croisée est très importante pour à la fois la dispersion des plantes et l'évolution génétique des plantes. Donc
Comborella trichopoda, c'est la sœur de toutes les plantes à fleurs, ou qu'on appelle les angiospermes, qui est donc à la base de ces angiospermes. Ces angiospermes sont le groupe de plantes le plus important aujourd'hui, de loin en termes de nombre d'espèces et de colonisation des milieux. Donc c'est un groupe qui a énormément réussi du fait de stratégies très, très importantes. Et donc, connaître Comborella trichopoda, c'est mieux connaître comment sont apparues donc ces plantes à fleurs, selon quel processus ils sont apparus. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, en termes de science, qui est extrêmement important. Il existe aujourd'hui une variété incroyable d'espèces végétales, plus de 300 000. Mais si Comborella trichopoda n'existait pas, peut-être n'y aurait-il sur Terre que des fougères et des grands arbres. Comment la graine d'Comborella a-t-elle révolutionné notre histoire? C'est ce que les chercheurs de l'Université de Nouvelle-Calédonie essaient de comprendre. Tout sur cette petite graine qui a tout d'une grande, c'est ce que je vous propose de découvrir de suite avec Valérie Saramigna. Donc nous, au sein du laboratoire, le LIVE, hein, Laboratoire Insulaire du Vivant et de l'Environnement à l'UNC, sur cette espèce d'Comborella, en fait, nous avons plus particulièrement travaillé sur la graine. Donc, la question ce qu'on se posait, nous, c'était d'essayer un petit peu de regarder l'évolution des réserves à l'intérieur de cette graine d'Comborella en cours de germination. Ici, une graine d'Comborella au cours de son processus de germination stricto sensu, c'est-à-dire ouverture, si on coupe ici à l'intérieur de la graine, on voit l'embryon, et puis on voit tout autour un tissu de réserve, okay, qu'on appelle l'albumène. Et ce que l'on voit, c'est que de manière progressive, eh bien, cet embryon grandit, ou en tout cas s'allonge à l'intérieur de l'albumène, pour occuper de plus en plus d'espace, jusqu'à ce qu'on appelle ici la percée, on voit bien sortir la percée du radicule. Et donc nous, la question qu'on se posait, c'était quelle est la composition en fait de ce tissu de réserve, et également quelle est la composition de l'embryon, et comment évoluent ces réserves au cours du processus de germination. Donc on a utilisé des techniques qui permettent d'observer par microscopie les cellules à l'intérieur de cette graine. Alors concrètement, une graine d'Comborella, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là elles ont été séchées, donc elle fait à peu près là peut-être la moitié du volume de ce qu'elle fait quand on les ramasse. Et donc, là, il va falloir extraire la graine qui est à l'intérieur de ce fruit d'Comborella. Ce travail-là, il est extrêmement délicat. Voilà une moitié de graine. Et c'est ça qu'on cherche ensuite. Alors ces graines-là, on les extrait pour effectivement les envoyer hors du territoire afin de pouvoir faire des expériences qu'on ne peut pas mener à bien sur le territoire parce que nous n'avons pas encore les équipements. En fait, la question qu'on se pose, c'est cette élongation ou croissance de l'embryon à l'intérieur de la graine, est-ce que ça correspond à une multiplication cellulaire? Est-ce qu'il y a de plus en plus de cellules? Ou est-ce que simplement c'est quelque chose de mécanique d'élongation des cellules existantes? Donc on veut entreprendre des manipulations pour nous permettre de répondre à cette question. Donc c'est important d'étudier le génome d'Comborella, le protéome d'Comborella, enfin d'étudier Comborella pour pouvoir ensuite comparer les résultats que nous allons obtenir sur cette espèce et que certain nombre d'équipes dans le monde ont obtenu avec les résultats obtenus sur
d'autres espèces pour pouvoir comprendre comment et pourquoi l'évolution a fait que désormais les plantes à fleurs ont cette dominance à l'échelle mondiale par rapport aux autres plantes, à tout ce qui est gymnosperme et autres. Et donc nous, nous avons plus spécifiquement travaillé sur les protéines de la graine d'Amborella pour pouvoir comprendre comment ces protéines étaient d'abord stockées, puis ensuite déstockées, démobilisées pour permettre la germination en fait de la plantule d'Amborella. Vous l'avez compris, Amborella est une plante précieuse qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie. Et il ne faudrait pas qu'elle disparaisse un jour. C'est pourquoi les scientifiques de l'Institut Agronomie Néo-Calédonienne ont mis en place un programme de conservation afin de préserver les espèces existantes en milieu naturel. En quoi consiste leur travail et qu'ont-ils compris de l'ancêtre des plantes à fleurs? Explication avec Nicolas Anger. Alors ici, on a un pied que l'on avait identifié comme mâle. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attend à ne trouver que des fleurs mâles dessus. Et de façon assez étonnante, on y trouve aussi un fruit ici, donc qui est le signe qu'il y a présence d'organes féminins. Donc c'est quelque chose qui est assez inattendu, dans la mesure où les fruits ne sont normalement présents que sur les individus femelles. Donc ici, notre travail qui consistait notamment, entre autres, à effectuer un sexe ratio au niveau de la population d'Amborella sur le moins haut pignier. Et donc un sexe ratio, c'est-à-dire la proportion de mâles et de femelles qu'il y a au sein de la population. Et donc la comparaison des proportions des individus mâles et femelles dans l'environnement naturel d'Amborella et en conditions contrôlées, ça peut permettre de mettre en avant l'implication de facteurs environnementaux qui seraient donc déterminants dans le choix du sexe. Donc ici c'est le lot H là, donc, qui correspond à 20 mois de conservation in situ. Le but de cette expérimentation c'est de déterminer le temps nécessaire aux graines qui sont donc tombées de l'arbre, donc de la femelle, de déterminer le temps qui est nécessaire à leur germination dans leur environnement naturel. Et donc là, il est difficile à travers le filet de voir si les graines ont germé. Donc on observera ça en laboratoire à la station. Donc mon travail, ça consiste à apporter des éléments pour la compréhension de la germination d'Amborella. On est sur une phase cruciale dans la pérennité des plantes aussi. Voilà, donc maintenant au laboratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la graine. Donc, et notamment à l'embryon. Donc pour ça, on va disséquer 50 graines. Après avoir coupé la graine, on va observer donc ce qui se passe à l'intérieur au niveau physiologique, c'est-à-dire donc au niveau des dimensions déjà, premièrement, au niveau de la graine et de l'embryon. Donc on va observer ça sous loupe binoculaire. Voilà. Donc là, j'ai procédé à la coupe de la graine. Cette loupe binoculaire, elle est reliée donc à l'écran et ça nous permet après capture de l'image, de faire les mesures de l'embryon. Et donc ce que l'on mesure, c'est d'abord la taille de la graine, donc en longueur et en largeur, ainsi que la taille de l'embryon. Donc on voit que là, il a toujours une forme de cœur, donc c'est que la germination n'a pas été amorcée.
Et donc, après, on compare ces mesures-là avec les lots qui ont été prélevés plus tôt. Et avec ces mesures, on peut voir s'il y a une différence ou pas entre chaque lot. Et voir s'il y a une évolution et s'il y a les premiers signes d'une germination à venir qui pourrait intervenir bientôt. Ce genre d'expérimentation, ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne Amborella, comment ça nous donne des précisions, notamment là par rapport à la germination, donc c'est une étape cruciale dans son cycle de vie. Et maîtriser tous ces aspects-là, ça nous aide à la multiplier, et donc notamment pour de futures expérimentations. Là, sur lequel on va semer les graines qu'on a donc désenfouies du moins au pignet de là-haut. Il va être constitué de moitié tourbe brune, donc c'est ce qu'on a ici. Donc c'est des algues desséchées, du sphagnum, et donc moitié tourbe brune et moitié perlite. Pour avoir une bonne donc on tamise pour avoir la bonne taille en fait au niveau de la perlite, ce qu'on appelle la granulométrie. Et donc on mélange moitié de tourbe pour une moitié de perlite. Ouais, du coup il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites avec différents types de substrats. Et donc on voit que les meilleurs résultats qu'on a obtenus c'est avec ce type de mélange là quoi. Un peu d'eau. On dispose le substrat dans les plaques de semis. Une fois qu'on aura disposé les graines sur ces plaques, on pourra les placer en conditions contrôlées. Et donc on passe régulièrement faire des relevés, voir au bout de combien de temps les graines germent en conditions contrôlées. Et donc après on fera des relevés pour voir le temps qui va être nécessaire à la germination. Une fois que le substrat est prêt, on va venir semer nos graines. Les graines d'Amborella dessus, donc on les dépose et on les ensevelit sous même pas un millimètre de substrat. Et donc après avoir semé les 100 graines, on va placer la plaque de semis avec les 100 graines en conditions contrôlées, donc sous en serre. Donc là, une fois qu'on les a déposés ici, donc on va venir régulièrement observer s'il y a germination. Et donc on voit que l'eau qui a été prélevée il y a 4 mois, donc il y a bien eu germination. Et donc après, on compare les délais, le temps nécessaire entre chaque lot pour qu'il y ait cette fameuse germination. Des plantes donc qui proviennent de graines, et ces graines que l'on a récoltées donc au mont au pignet, et donc ces plantes donc elles nous servent à observer la floraison, et donc on a établi un sex ratio, et donc on s'intéresse à finalement qu'est-ce qui fait que la plante choisit entre guillemets d'aller vers des fleurs mâles ou femelles. Et donc, une fois cette proportion définie, c'est un premier indice pour savoir si c'est purement génétique, est-ce que le déterminisme sexuel est purement génétique, ou est-ce qu'il y aurait des facteurs environnementaux comme l'ensoleillement, donc l'exposition à la lumière, la température, l'humidité, qui pourraient influer sur le choix du sexe. Là, on a un exemple de fruit qui est lui aussi en train de grossir. Et donc, c'est quelque chose qui est assez étonnant, parce que normalement, on trouve des fruits un petit peu à l'image des humains finalement, que chez les femelles, où la descendance se trouve que chez les femelles normalement. Et donc là, c'est assez intéressant de voir qu'il peut y avoir certainement des effets de l'environnement sur la plante,
qui permettent une certaine flexibilité dans le choix du sexe, notamment chez les mâles en tout cas. Avoir des premières réponses à ces questions-là, on peut mener des expériences qu'on peut faire ici, en conditions contrôlées là aussi, donc, et faire varier ces paramètres environnementaux, voir si derrière on aura des différences entre floraison, de sexe. Et après, il faut aussi aller fouiller, entre guillemets, du côté génétique. Et donc là, notamment par le biais de collaborations avec des laboratoires américains qui ont des moyens plutôt conséquents, on pourra peut-être percer ces mystères d'un point de vue génétique et environnemental. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre tout l'intérêt de l'Amborella trichopoda. Respectons notre nature car elle n'a pas fini de nous révéler tous ses trésors. Merci de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des Coulisses de la Science.